Bonsoir tout le monde. Malheureusement, la météo garde des airs d'automne pour terminer ce mois de juillet, puisque nous resterons encore dans les prochaines heures sous l'influence de cette dépression à proximité des îles britanniques. Dépression qui nous a envoyé aujourd'hui plusieurs lignes d'averses et qui nous en enverra encore d'autres dans les prochaines heures. Avec cet air toujours océanique, un peu trop frais pour la saison, qui va encore se renforcer d'un cran. Demain, j'y reviens dans un instant. Dans les prochaines heures, des averses surtout sur la moitié sud du pays. Elles continueront à éclater dans le courant de la nuit avec même quelques coups de tonnerre possibles. D'autres remonteront sur la partie centrale. Attention, hein, avec les pluies accumulées déjà ces derniers jours, il pourrait tomber par endroits jusqu'à 50 voire 60 litres d'eau par mètre carré. Tout le monde sous un ciel très nuageux avec des minima pour la nuit de 14 à 17 degrés. 14-15 sur une bonne partie de l'Ardenne et 16-17 partout ailleurs. Demain, nous resterons dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui avec toujours ce ciel très nuageux, quelques petites éclaircies, de nouvelles averses qui entreront sur notre pays à partir de la mer du Nord et qui éclateront une bonne partie de la journée. Le vent sera plus désagréable, ce vent de sud-ouest, avec des pointes jusqu'à 50-60 km/h et des températures qui flirteront tout pile avec les normales de saison. Demain après-midi, des maxima de 19 à 23 degrés. Vous aurez jusqu'à 19 degrés sur le sud-est comme à Francheville, 22 à Rossignol ou encore à Froyenne, 21 à Liernu en province de Namur et 20 degrés à Mariakerque sur nos plages. Dimanche devrait être la plus belle journée de cette période météo, avec encore quelques averses mais beaucoup plus rares. Le vent, lui, en revanche, restera assez désagréable. Maximum 22 degrés, quelques éclaircies qui feront du bien. En revanche, pour lundi, nouvelle perturbation, un ciel très nuageux, de la pluie presque toute la journée, du vent et de la fraîcheur, maximum 20 degrés. Et nous garderons des averses et ce ciel très très changeant tout le reste de la semaine, y compris pour les journées de jeudi et de vendredi, avec des températures qui resteront trop fraîches pour la saison. Une vraie situation de blocage. Je vous souhaite malgré tout un excellent été. Demain, nous serons le samedi 29 juillet, nous fêterons les Martes. Le soleil s'élèvera à 6h04. Et voici cette citation. Pour conclure, notre vie vaut ce qu'elle nous a coûté l'effort.